Bonjour à tous. Quelque chose que j'ai pas fait encore. Je suis content, c'est un peu nouveau. Une caméra de tableau de bord Garmin, modèle 35. C'est un client de Lévis qui m'a envoyé ça. Juste pour y changer sa batterie. On a besoin juste de ça, nous autres. On a sa batterie à remplacer. Il l'adore, puis il veut pas la changer. Fait que la première chose à faire, c'est de retirer la carte mémoire de dedans. Et voilà. Puis ensuite, enlever les deux vis qui sont là. Je ne sais pas si j'ai un tournevis ici assez petit pour ça. Je recommande un support là, pour mes tournevis. Non. Mais oui. Le dernier. Tu trouves ça, le dernier. Fait que j'avais deux vis enlevées ici. Ensuite, pour ceux qui se poseraient la question, oui, je suis allé m'informer pour savoir comment le démonter, là. Je pars jamais à vide comme ça, là. Il faut venir enlever le derrière. Puis il n'a jamais été enlevé. Il était collé. Il est collé. C'est un collant, c'est quoi? Mais oui, c'est de la colle. Ah. C'était de la colle. Ça fait longtemps que c'est en place, hein? Ça fait longtemps que c'est en place. Batterie faible. Batterie faible. Batterie faible. Il faut faire attention parce qu'il y a des câbles. Elle tient solide. Allez. Ça va bien. Bon, j'ai encore allumé. Non, oui, non. Mais oui, j'ai six batteries d'eau. Elle allume, elle éteint. Les batteries sont trop faibles. Je fais attention au câble. J'en ai un là. Je vais débrancher le câble qui est là. J'ai enroué un là, là. Et voilà. C'est la batterie, je pense, en plus. Puis j'en ai un autre. Et voilà. L'autre, on fait juste le laisser comme ça. Et voilà. Fait que c'est pas trop compliqué pareil. C'est pas évident à ouvrir. Faut être patient. Faut y aller lentement. Là, on a ces vis-là ici. Un petit peu plus petit que ça. Oui, je pense que je vais aller me chercher plus petit que ça. Ça, c'est. T'es quoi? T5, c'est T4, ça me prend. Ça me prend T4. Fait que. On va se mettre ça là. On va reculer un petit peu.
Les vis sont là. T4. Tiens. On pourrait l'enlever, par exemple, le câble. Pourrais-tu l'enlever? C'est parce que j'ai peur que ça force. J'ai pas le goût que ça force. Hein? Ta batterie est là. Fait qu'il reste plus rien qu'à l'enlever de là. On va enlever la batterie de là maintenant. Un petit peu d'alcool, ça va aider. Parce qu'elle est collée. Et voilà. Elle est décollée. Je vais la laisser là parce que je vais aller chercher l'autre. On va la poser. Bon. New Power. Ah oui, il y a un CD. Dessus, il y a la vidéo pour montrer comment changer la batterie. Ben oui, c'est un lecteur DVD. Sauf que dans les ordinateurs, on n'est plus aujourd'hui. Il faudrait que je le regarde en avant sur ma télé. Je n'aurai pas de besoin. J'en aurai pas de besoin. Moi, je veux juste la pile. Colis. Ça, peut-être ça à garder. Mais les tournevis, ça, sont noirs, ceux-là. Sont peut-être plus solides. Ça vaut pas quand même les garder, ça. Fait que ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est la nouvelle. Fait que l'ancienne, on remet ça là. Mets ça dedans. Moi, je vais aller y mettre. Je sais même pas si j'ai besoin d'y mettre de collant. Ça tiendrait-tu avec le collant qu'il y a là? Ben oui. Tiens. Et voilà. Fait qu'on va pouvoir remettre ça là. On va me mettre au-dessus de mon microscope. Ça va être plus facile pour les vis. Tiens, si je prends ça, pas trop compliqué, hein? Deuxième. Généralement, Garmin, c'est des bons produits. Tu te trompes pas. Hein? On va se replacer comme ça. On va essayer de brancher la batterie à cette heure. C'est le truc le plus dur, ça. Brancher la batterie. Suis-tu à l'endroit ou à l'envers? Parce qu'elle se branche juste d'un sens. Malgré que je pourrais utiliser le microscope, comme ça vous allez le voir, vous autres mains. Tiens. Donc, comment c'est fait? Les encoches sont par en haut. Plus par en haut. Bon, le chat qui s'en mêle. Le chat qui s'en mêle. À cette heure-là, l'après-midi, elle crie toujours après moi. Me poser la question. Pas évident, hein?
Hey, elle veut pas tourner. Ça, j'haïs ça. On dirait qu'ils se mettent contre toi. Pas du bon bord. Maudit. Donc, c'est comme ça. Bon, de lait. Les rentre au fond. On va l'allumer pour savoir si tout est correct. Oups, le contact qui est là. Excusez-moi. Top cam. Le contact est ici. C'est tout. Ah, la lumière d'allumer. Garmin, il a dit que plus de batterie faible en tout cas. Papy? On va attendre là, pour, parce que là, je suis pas installé. On va mettre ça comme ça. Allez, en bas. Et voilà. Tiens! Oh! Rentre en dedans! Bon! Il rentrait sa place. Français. En kilomètres. 24 heures. Jour, mois, année. En tout cas, je le mets comme ça, le client le changera. Il enregistre les vidéos. On va y remettre la carte. La carte mémoire est retournée là. Et voilà. Ça fonctionne. La batterie est à moitié à peu près. On va l'éteindre. Oups, j'ai pas pris assez longtemps. Oui. Oups. Et voilà, c'est pas plus long que ça. Fait que je vais revisser ces deux vis-là. Fait que vous avez vu pour une 35, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste, il faut être patient là. Puis c'est pas évident à retirer la première fois. C'est vrai que quelqu'un qui est pas habitué, ça fait peur. Parce qu'il faut tirer dessus un peu. Mais allez-y lentement. Puis je suis sûr que vous allez être capable de le faire. Tiens, ça c'est fait. Un petit chiffon. Comme ça. Tiens. Si on réessaye, on va le nettoyer un petit peu. La lentille est toute nettoyée. Si je l'allume. Démarrer. Je m'en vais dans les paramètres. Luminosité 50%. Le restant là. Et voilà, hey,
puis numéro 1. Fait que mon client va pouvoir l'avoir et l'utiliser à nouveau. Tout est fait. Je vais en mettre sa charge pour être sûr que tout va bien. Oh, c'est un chargeur spécial, ça. C'est pas... Je sais pas s'il me l'a laissé. Oui. C'est des premiers USB. On charge ça. Et voilà, est en charge toute. Ça, je voulais être sûr que la charge numéro 1. Tout est beau. Fait que je retourne sur le client. Merci.